Bonjour, oh bonjour les enfants, ça va? Ah là, j'avais pas vu, vous avez les yeux bridés! Ah, t'as des Chinois en fait! Ouais, ah non, parce que chez nous, ceux qui font notre taille, c'est les enfants. Hein. Oh là là, pardon? Ouais, bah attendez, on vous a préparé une musique. Germaine, mets la musique pour les Chinois! Ah oui, c'est vrai, vous faites comme ça. Il y en a encore beaucoup là ou pas? Ouais, moi j'arrête, hein. continuez. Hein, vous avez vu, c'est pour vous, un dédicace? C'est Marie? Bah Marie, comme je, votre chef là, celui qui a écrit le livre rouge. Ah, c'est Marou! Arrête, on s'est gouré. Hein. Par contre, moi je l'ai pas l'album de Marou. Hein. Hein, non, j'ai pas. Bon, j'espère vous parler un peu français, hein, parce que je me suis mis un petit peu au chinois quand même. Hein. Oh, si, regardez, allez-y, posez-moi une question en chinois, allez-y. On a. Une autre question peut-être. Hein? Bon, Confucius il a dit, ne cherchez pas à connaître les réponses et cherchez à comprendre les questions. Voilà. Donc là j'ai pas compris la question. Bon, mais dites un truc en français puis je vais vous le traduire en chinois. Faites ce que vous voulez. D'accord. Faites ce que vous voulez. Ah ça je sais le dire. M'en fous. Rien à battre, m'en fous. C'est quoi ça? Hein? Alors, c'est qui le chinois? Ah, ben ouais, voilà. Bon, je vais prendre votre nom pour la réservation. Et dites-moi. Foul? On va mettre des voyelles quand même, hein, parce que des consonnes. Foul? Bon, je vais marquer les chinois. De toute façon, vous n'êtes pas des milliards. Voilà. Hein? Si vous avez une voiture, vous pouvez la mettre sur le parking. Vous l'avez laissé au voiturier? Très bien. Par contre, nous, on n'a pas de voiturier. Hein. Bah, elle est perdue, là, c'est pas grave. Vous demanderez à votre fils de vous en fabriquer une, hein, hein. Bah, mon fils, il m'a fait une horloge en techno. Elle marche pas. Pardon, je voudrais savoir comment vous avez choisi notre hôtel, monsieur. C'est le moins cher de l'avenue Victor Hugo. Ouais, c'est vrai qu'il y a que des hôtels de luxe dans le quartier. Hein. C'est quand même un paradoxe à la française. C'est dans l'avenue Victor Hugo qu'il y a le moins de misérables. Et ça, c'est pas Confucius, ça, c'est de moi. Hein? Bon, allez, je vous avais réservé la chambre Mao Tse-Tung, mais l'ascenseur, il est en panne. Alors, faut une longue marche pour y aller, c'est un peu chiant. Hein? Du coup, je vous ai mis la chambre Marco Polo. Hein? Elle est bien, la chambre, mais elle est un peu humide. Faut faire gaffe, ça fait des Marco Polo. Hein? Vous avez compris? C'est une blague française. Hein? Non, c'est une blague française. Par contre, la chambre a la vue sur la mer. Oui. Ouais, je sais qu'on est à Paris, mais je suis la mère de la voisine. C'est bien aussi. C'est une belle femme, hein, elle habite juste en face. Hein. Bon, côté restauration, on a une carte très variée. Hein. C'est que les plats français, mais on l'a fait comme vous, là, on a mis des chiffres avant. Hein. Donc, par exemple, 14, c'est le bœuf bourguignon. 36, c'est le coq au vin. Hein. 56, c'est l'andouillette. 29, les riz de veau. Pardon? Nem? Oh, bah oui, hein, en général, les gens n'aiment. Hein. Après, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, c'est rare quand même. Hein. Ah, vous voulez manger tout de suite? Ah, bah d'accord, mais y a pas de souci. Dites-moi, je vais noter, hein. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? À 69. C'est la spécialité de ma femme, ça. Chérie, tu fais un 69, oh, monsieur, là, hein. Et madame? À 21. À 21, c'est le boudin, ça, hein. Ouais. Ça aussi, c'est ma femme. Voilà, mais qu'il prépare, je veux dire, qu'il prépare, hein. Bien sûr, on a aussi des spécialités bien de chez vous, attention, hein. On a par exemple du canard laqué, hein. Ouais. Donc là je vais faire une crête, hein, mais vous pouvez le coiffer comme vous voulez, hein, c'est pas un problème. Hein. Et puis on a des rouleaux d'automne. Enfin, à la base c'était des rouleaux de printemps, mais le temps a passé. Hein. Voilà, c'est des rouleaux d'automne, ils sont encore bons, hein, c'est la crevette, ça bouge pas. Hein. Ah, puis vous allez voir, on vous a fait une surprise. Hein. On a fait comme vous, vous avez la femme toute nue là au fond du verre à saké. On a fait pareil avec Germaine. Ouais. Bon, sauf que la photo elle rentrait pas dans le verre à saké, du coup on l'a fait dans la soupière. Ouais, c'est très joli. Hein. Bon, ben écoutez, voilà, je vais vous donner votre clé, je sais pas où je l'ai mis, je vais vous donner votre clé, voilà, puis je vous souhaite un excellent séjour en France, hein, et puis n'oubliez pas, vous êtes chinois comme chez vous. Artus, il faut le noter, voici l'hôtelier français qui veut accueillir des Chinois dans son établissement, on était en plein dans le sujet en tout cas. Voici vos notes, Artus. Dans le carnet de notes, la note de Jean-Luc Moreau sera 13. C'est peu, juge le public. Anne-Sophie à Paris, 16.
Jean Benguigui, 13. Et moi, j'ai mis 14. Voilà. Abonnez-vous en cliquant ici.